Alors, euh, bonjour Eric Renaud, donc, euh, vous êtes le président de Podia et nous sommes aujourd'hui euh, à Barberet euh, pour l'inauguration du siège de votre entreprise. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous dire euh, par quel euh, moyen s'est fait le, de, le retour de Bélarus en France Alors le moyen en fait c'est euh, surtout l'histoire qui a fait que Bélarus est revenu sur le marché français. Donc comme tout le monde sait, la chute du mur c'est des entreprises en, en Europe de l'Est dans l'ex-bloc soviétique qui ont eu... Euh, euh, qui ont connu pas mal de soucis euh, d'organisation industrielle. Ils ont une stratégie, une réflexion, une stratégie qui a amené à, à, à repenser leur modèle de production industrielle, donc réinternaliser toute la production, boîte, pont, moteur. Euh, une fois fait ce, ce travail de. De, de, de réflexion sur la production. Euh, ils ont décidé de repartir à la conquête de leur ex-marché captif, bloc soviétique, et puis euh, ça s'est fait plutôt pas trop mal, et euh, maintenant d'aborder dans une deuxième étape la mise aux normes de leurs moteurs, et de revenir maintenant qu'ils sont aux normes sur, euh, sur les marchés ouest européens notamment. Donc arrivé sur les marchés ouest européens euh, et donc la France, aujourd'hui euh, combien de tracteurs en France je dirais présents et, et quand va, va, va débuter la mise en service, si on peut dire, des tracteurs alors, combien de tracteurs présents En fait, il y en a. Voilà, aujourd'hui, on vous en présente une quinzaine. Il y en a un certain nombre qui sont déjà partis aussi en clientèle suite au Sima, où on avait fait l'annonce la, la, du retour. Donc ça, c'est la première étape. Et puis aujourd'hui, les choses vont se développer parce que la marque, le fait que la marque revienne, la notoriété s'installe. On a une présence, une, visu, une vue ou une, un affichage plutôt, important grâce à notre site internet podia.fr ou euh, tracteurbelarus.com, euh, euh, équipement belarus, etc. Donc on a euh, le, le cycle de vente est parti, le cycle de présence et, et on espère, espère croître jusqu'à atteindre une vente sur nos marchés français, belges et, et luxembourgeois entre 2000 et 3000 machines à l'horizon de, de 5 ans. Alors donc ça veut dire qu'actuellement vous avez déjà des tracteurs qui ont été commercialisés oui. et euh, ça se fait depuis votre siège selon un moyen de, commercialis de commercialisation assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler oui, alors on a choisi pour, pour réintroduire la marque, comme on a un positionnement low-cost qualité européenne, euh, on a choisi de dissocier la démarche de vente de la démarche de SAV, service après-vente. La démarche de vente est assurée par notre site internet et par, une, 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 par des agents commerciaux indépendants qui sont sur le, le territoire français, euh, et le SAV par un réseau de garages indépendants, notamment les... D'accord, et alors tout se fait d'ici depuis euh, Barberet, euh, dans la périphérie de, de Troyes. Pourquoi ce site en particulier Alors tout, tout se fait depuis euh, le siège, parce qu'en fait, historiquement, le siège est à Paris. Et Barberet est aujourd'hui un premier module de, de, de ce que l'on veut présenter euh, sur le territoire. Euh, un showroom de ce type-là, euh, présentation du matériel, mise à disposition qui permet à nos agents commerciaux d'amener des clients pour voir les machines. C'est un peu le concept, euh, pas du drive, mais du euh, euh, business to store et store to business, voilà, avec un réseau d'agents. Euh, dans l'avenir, effectivement, vous avez vu, il euh, y a quand même pas mal de places euh, où on peut élargir les bâtiments. L'objectif, c'est aussi d'installer le siège social sur trois. Alors, pourquoi trois parce que euh, des fois, il y a des raisons assez simples. Premièrement, mon associé habite 3. Comme quoi, locaux c'est aussi simplicité, ça c'est notre philosophie. Deuxièmement, c'est aussi les, la seule commune ou la seule région qui nous proposait un environnement où on avait beaucoup de vues. C'est la ville des magasins-usines. On est situé au milieu des fabricants de, de moteurs ou d'usines. Il y a Ford, Land Rover, etc. C'est les seuls qui nous offraient cette visibilité et cette sortie, je dirais, de la zone industrielle où on ne voit jamais personne. Donc voilà, c'était aussi un de nos objectifs. D'accord, et alors, en ce qui concerne les produits, on voit déjà une large gamme à la fois de tracteurs et de, et de matériel. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous parler un petit peu de ce qui va arriver sur le marché français prochainement Alors, euh, ce qui va arriver, donc ce qui est aujourd'hui, il y a l'ensemble de la gamme tracteur 9-355 chevaux. Euh, nous avons lancé au Space Arena notre gamme d'agroéquipements sous la marque équipement Belarus, qui comprend euh, du matériel qui va du matériel de préparation de sol, charrue, fenaisons, pulvérisation, transport, euh, épandage, distribution jusqu'aux moissonneuses-batteuses et aux ensileuses. Donc toute cette gamme arrive progressivement. Nous avons commencé aujourd'hui par le matériel d'élevage et ici vous pouvez voir euh, donc des distributeurs d'aliments, des épandeurs de fumier. Et en novembre euh, vont arriver euh, la partie moissonneuse-batteuse et encylose.